Alléluia. Alléluia. Plus fort que ça. Encore, 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 encore. Plus fort que ça. Gloire à Jésus. Amen. Prenez place. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis le pasteur Marcelo te salue. Amen. Je rends grâce à Dieu d'être au milieu de vous ce soir. Et je remercie Dieu pour la transformation qui a été opérée ici. Vous savez, je suis venu ici, il y avait la boue. J'étais venu faire un tour ici, il y avait la boue ici. Et maman Maud était en godasse. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, maman, je ne pouvais pas imaginer que tu avais tout ça dans la tête. Il faut respecter les têtes des gens. Non. Tu sais, quand je suis entré là-bas, mon fils m'a suivi, m'a dit, on ne croirait pas que c'est une église ici. J'ai dit, c'est plus que l'hôtel du fleuve. Que Dieu soit loué de m'accorder la grâce de prêcher dans la plus belle église de la francophonie. Amen. Et vraiment, je suis très heureux pour ce que Dieu a fait et il est en train de faire parce que c'est le début. Hein. Vous savez, demain, ça va être le temple de la jeunesse et puis vous allez encore construire plus grand. Mais oui. Ah, qui croit ça? Mais oui. Mais si on va conquérir, on va gagner des armes et puis ce sera le temple de la jeunesse et puis on construit encore. Oh, mais je vous dis. Vraiment que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et je bénis Dieu pour la vie de mon frère, pasteur Ivan. Vous savez, moi, souvent j'ai peur quand quelqu'un finit un temple. Parce que j'ai vu beaucoup de gens finir le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temple est entré en eux. Ah oui. Et puis ils sont abîmés. La puissance de Dieu est partie, l'onction est partie. Parce qu'ils avaient reçu le temple comme Seigneur et Sauveur. Mais quand j'ai observé, j'ai observé pasteur Ivan, c'est que le temple est fini, il est allé au Mali, prêcher. Ah oui. C'est très important et c'est une leçon pour nous tous qui servons Dieu. Continuez toujours à courir, à conquérir encore. Alléluia. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Maman Blanche. Elle va se tenir debout. Elle est belle, hein? Amen. Et je suis venu avec Oracle, mon fils aîné. Tiens-toi debout. Oh, stand up, please. Et les autres sont en route. Amen. Donc, on est venu, tout le monde, même Tabiri est venu visiter la cité royale, même le plus petit. Je bénis Dieu pour la présence de mes fils que j'ai vus là, les pasteurs de l'Europe, Compassion. Ils vont se tenir debout. On va honorer vos petits frères, vos petites sœurs. Compassion Luxembourg, Compassion Genève, Compassion Belgique, Compassion Paris. Ah, ce sont vos petits frères, vos petites sœurs. Soutenez-les. Amen. Hein? Gloire à Dieu. J'ai apporté quelques livres. Et là, en main, j'ai Découvre, expérimente sa présence et 500 paroles de sagesse. Je crois que les autres sont disponibles à la librairie. Procurez-vous ces livres. Amen. Nous allons chanter, célébrer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah.
Time.
Dieu t'a béni, danse. Si 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 Dieu t'a béni, danse. Avant la conquête, c'est la célébration. Pour que Dieu te donne plus, tu dois le louer pour ce qu'il a déjà fait. Pour que Dieu ajoute, tu dois le bénir pour ce qu'il a fait. Pour que Dieu donne mieux, tu dois dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia, 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 alléluia. Sois maintenant. Tu sais pourquoi Dieu des fois ne te donne pas ce qu'il doit te donner, parce que tu ne sais pas dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Avant que Dieu ne te donne Adam et Ève, tu dois dire merci pour la lumière. Avant que Dieu ne te donne Adam et Ève, tu dois dire merci pour les plantes. Avant que Dieu ne te donne Adam et Ève, tu dois dire merci pour les oiseaux. Avant que Dieu ne te donne Adam et Ève, tu dois dire merci pour ce qu'il a fait, parce que ce qui est bon prépare ce qui est très bon. Tu es marié, tu ne fais que demander des enfants. Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour ta femme? Tu travailles, tu demandes une promotion. Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour ce travail sans promotion? Tu veux une plus grande église. Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour la petite église?
Tu veux plus? Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour le peu? Avant de dire c'est très bon, on dit c'est bon. Dieu a dit c'est bon. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Et puis très bon. Des fois dans la vie, arrête-toi pour compter les bénédictions de Dieu. Et rends grâce. Et bénis-le. Car Dieu te bénira sur le piédestal de la louange et de l'action de grâce. Ce qui est fait prépare ce qui sera fait. Et ton attitude dans ce qui est fait détermine ce que Dieu fera. Ainsi, dans le ministère, j'ai appris à remercier Dieu même pour un pot de fleurs. J'ai appris à remercier Dieu même pour une nouvelle chair. J'ai appris à remercier Dieu pour un nouveau baffle. J'ai appris à remercier Dieu pour 200 personnes qui s'ajoutent. J'ai appris à remercier Dieu pour les petites choses. Et ainsi, il donne les grandes choses. Vous allez remarquer que nos prières sont longues, mais nos actions de grâce sont courtes. Nous sommes capables de prier pendant 2 heures du temps, mais quand il faut dire merci, merci Seigneur, c'est tout. Parce que nous aimons vite passer à autre chose, alors qu'on a pris du temps à les demander. J'ai rencontré une femme, elle pleurait comme si elle était stérile, et j'ai cru qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors j'ai posé la question, tu es stérile? Il dit non, je n'ai eu qu'un enfant. J'ai dit, oh, tu as un enfant? Et quel enfant? Elle avait une très très belle fille. Cette fille a cessé d'exister pour elle parce qu'elle voulait un autre enfant. Elle n'a pas eu le temps de remercier Dieu pour le seul enfant, alors que Dieu n'a qu'un seul fils unique par essence. Nous tous, nous sommes des enfants adoptifs. Remercie Dieu pour ta seule voiture avant d'avoir la deuxième. Remercie Dieu pour ta petite maison avant d'avoir une villa. C'est pourquoi Dieu, dans sa manière de créer, disait, c'est bon, c'est bon. Même s'il n'y a pas l'homme, c'est bon. Pourquoi? J'évolue. Rendez grâce à Dieu pour toute évolution dans vos vies. Car il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as. Car en regardant ce que tu dois savoir, tu oublies ce que tu as. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Ça, c'était même pas prévu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux parce que nous n'avons pas le temps de remercier Dieu et d'apprécier ce que Dieu a fait. Ce temple n'est pas comme le temple de T.D. Jakes, 30 000 places. Mais je n'ai jamais prêché dans une si belle église. Je rends grâce. Alléluia. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais j'ai quand même quelque chose. Je rends grâce. Je n'ai pas ce que tu as, tu n'as pas ce que j'ai. Je rends grâce pour ce que j'ai. Apprenez à être heureux. 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 Et le bonheur vient des actions de grâce et dans la capacité de compter ses bénédictions. Sinon, toute notre vie, nous courons vers le bonheur, alors que le bonheur n'est pas dans le futur, il est dans le présent. Dis, je suis heureux. Même si tu es marié, tu n'as pas d'enfant, il y a beaucoup de gens qui cherchent une femme comme la tienne. Et même si tu n'as pas de femme, il y a des gens qui aimeraient être un célibataire comme toi. Alléluia! Nous au Congo, on dit que chaque fois que Dieu fait, rends grâce aujourd'hui. Rends grâce pour aujourd'hui pour avoir ton demain. Et ton demain est très glorieux. Mais il est caché dans ton action de grâce d'aujourd'hui. C'est pourquoi des fois dans ta chambre, danse pour le présent afin d'entrer dans le futur. Réjouis-toi pour ce qui est avant de voir ce qui sera. Apprécie ce qui est pour que tu aies ce que tu devras avoir. C'est pourquoi nous sommes venus ici bénir Dieu, glorifier Dieu. Et nous sommes contents. Si on va le faire une semaine, on le fait une semaine. Si on va en parler une semaine, on en parle une semaine. Pourquoi? On l'a demandé pendant combien d'années? Alléluia!
Je termine pour prêcher. Vous connaissez ces personnes qui dérangent longtemps pour un problème, le matin, midi, soir, et quand tu résous, il oublie même de revenir dire merci. Tu connais un comme ça? Tout le monde en a un comme ça, non? Ne sois pas cette personne-là. Lorsque Dieu agit, ne va pas utiliser les pieds qu'il t'a donnés. Va rendre grâce avec ses pieds qu'il t'a donnés. Rentre à celui qui t'a béni, qui t'a guéri, avant d'aller faire tes courses. Certains n'ont pas les pieds, quand Dieu guérit, va faire les courses. Non, tu rentres auprès de celui qui a guéri tes pieds, ensuite tu vas faire tes courses. Car ce n'est pas parce que tu as les pieds que tu es totalement vacciné contre la paralysie. C'est en revenant auprès de celui qui donne que Dieu te vaccine. Mais si après la bénédiction tu t'en vas, qui te dit que ça demeurera? Parce que de la même manière que le poisson est gardé dans l'eau, la bénédiction est gardée dans la présence de Dieu. Tu n'emporteras jamais la bénédiction de Dieu en dehors de sa présence. C'est pourquoi quand Dieu te bénit, ramène la bénédiction qui est venue de la présence de Dieu dans la présence. C'est pourquoi Dieu a béni Anne, parce qu'elle a ramené Samuel dans la présence qu'il a engendrée. C'est pourquoi Dieu l'a encore béni. Donne-moi l'amen. En soi, être béni n'est pas extraordinaire, c'est revenir qui est extraordinaire. Revenir, remercier comme on fait là. Louer, là maintenant Dieu se réjouit. Car plusieurs, quand ils prennent, ils s'en vont. Alors que Dieu recherche des personnes reconnaissantes. Lève tes mains, dis merci Jésus. Acclame le Seigneur. Thank you, God bless you. Merci. Le thème de mon message cette nuit, c'est ce soir ou cette nuit, c'est bouleverser et embraser pour conquérir. Dis à ton voisin de gauche, bouleverser et embraser pour conquérir. Alléluia. Ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Il y a toujours un voisin pareil. Nous sommes debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 4, versets 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Mon message sera sur Pierre. Pour ceux qui font la théologie, ce sera sur un personnage de la Bible. Nous serons sur Pierre et sur Pierre. Jésus-Christ a le but de conquérir le monde entier. Au lieu de venir sur terre et de le faire lui-même parce qu'il est le plus grand prédicateur, le plus loin, non, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des hommes. Et parmi ces hommes, il choisit Pierre. Et Pierre avait deux noms. Simon, Pierre. Simon veut dire roseau. Et vous savez, en Israël, on ne donnait pas les noms n'importe comment. Lorsqu'on te donne un nom, cela reflète ton caractère. Et roseau, c'était une plante, c'est une plante qui est comme du plastique et qui, dans l'eau, est flexible. Lorsque l'eau va à droite, le roseau va à droite. Lorsque l'eau va à gauche, le roseau va à gauche. Et donc, c'était ça le nom de Simon. Les parents de Simon, lorsqu'ils l'ont engendré, peut-être après des temps, ils ont constaté que leur enfant était comme un roseau. Et Jésus-Christ vient vers Simon, le roseau. Il le trouve en train de faire quoi? Il le trouve en train de pêcher. C'était son travail. Et il lui dit, viens, suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je ferai de toi un conquérant. Je ferai de toi un homme qui, au-delà de jeter un filet physique, tu jetteras un autre filet.
l'évangile, ma parole, et tu sauveras les âmes. De la même manière que tu jettes le filet aujourd'hui pour attraper des poissons dans ton futur, je vais t'utiliser au-delà de ce que tu fais aujourd'hui pour gagner des hommes. Et dans le langage de Simon, il avait très bien compris, comme l'a dit le pasteur Mohamed, Dieu est venu dans son domaine pour lui expliquer son futur. Et étant un pêcheur de poissons, il a pu comprendre de quoi Jésus-Christ parlait. Que de la même manière dont il allait prendre des poissons, les sortir de l'eau et les mettre dans sa barque, il sortirait des hommes du péché, de la maladie, de l'ignorance, de l'incrédulité. Et s'il utilisait un filet, Dieu lui donnerait un autre filet, la parole, la puissance, la connaissance. Et s'il utilisait des barques pour ramener les poissons à la maison, il y aura des barques, l'église. Et j'aimerais vous dire ceci, mes frères et sœurs, c'est que lorsque Dieu t'appelle à pêcher les poissons, il faut que tu aies des muscles. Si tu n'as pas de muscles, tu ne sauras pas rentrer la pêche. Et si tu n'es pas connecté à d'autres barques, tu ne sauras pas rentrer la pêche miraculeuse. Parce qu'il y a des pêches qu'une seule barque ne peut contenir. Il faut se mettre ensemble. C'est pourquoi l'église doit travailler dans l'unité. L'église doit travailler dans l'unité. J'aimerais vous dire qu'aucune église ne pourra contenir le réveil qui arrive. Aucune église ne pourra contenir le réveil qui arrive. Et si nous croyons que nous sommes des pêcheurs de poissons, nous devons mettre nos barques les unes à côté des autres afin de tirer et de remplir les barques. Alléluia! Sinon, la moisson sera perdue. Il y a des âmes qui seront sauvées par ICC, d'autres par vaste honneur, d'autres par compassion, d'autres par feu dévorant, d'autres par la gloire de Dieu, d'autres par la grâce de Dieu. Mais l'essentiel, c'est que les âmes soient sauvées, c'est que les vies soient gagnées, c'est que les vies soient gagnées. Église, il est temps de nous unir. Sortons de nos divisions, sortons de nos querelles, sortons de tout cela. Et si tu vois l'autre en train de faire une bonne pêche, viens, joins-toi à lui. Et tire aussi les filets. Il y aura des poissons aussi pour ta barque. Il y aura aussi des poissons pour ta barque. Donne-moi un amen. Nous devons quitter la jalousie entre les pêcheurs de poissons et commencer à travailler ensemble. Les païens s'unissent, les sorciers s'unissent, les magiciens s'unissent et l'église est en train de se diviser comme si Dieu n'a appelé qu'un seul homme alors que Dieu a appelé un corps, un corps, un corps, un corps. Et il appelle un tel homme à une telle destinée. Lorsque tu regardes Pierre et tu regardes sa destinée, on dirait que Jésus-Christ s'est trompé. Et lorsqu'on te regarde quand on prophétise sur toi à l'église, on croirait que le prophète ne voit pas bien. Dieu voit bien. Mais voici ce que Dieu fait. C'est que lorsque Dieu te parle de ton futur, il ne tient pas compte de toi, mais il tient compte de lui-même. Lorsque Dieu t'appelle dans le désert, il ne tient pas compte de ta capacité de gérer le désert. Il tient compte de sa capacité d'envoyer la manne et la caille dans le désert. Dans l'appel de Dieu, il y a plus de Dieu que de toi. Ne dis pas que je ne peux pas. Dieu le savait déjà. Et en sachant que tu ne peux pas, c'est toi qui l'as choisi. Car si même il choisit quelqu'un d'autre, lui aussi ne peut pas. Car personne ne peut. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Tu refuses l'appel de Dieu en disant je ne peux pas. Qui peut servir Dieu? Tu penses là que moi je peux? J'ai prié toute la journée pour avoir la force de prêcher pendant une heure du temps. Ce n'est pas parce que nous vibrons que nous sommes capables. C'est Dieu qui nous fait vibrer. J'aimerais te dire ceci. N'aie pas peur de l'appel de Dieu. N'aie pas peur des visions que tu vois. Dieu lorsqu'il te parle, il sait que tu es Simon. Mais il sait qu'il a aussi la capacité de sortir une pierre de Simon. Il a la capacité de sortir une pierre de Simon. Et je t'annonce qu'une pierre sortira de toi. Une 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 pierre sortira de toi. Mantelebrochaya. Oh pasteur, comment est-ce qu'un roseau peut sortir une pierre? Mais parce que tu as créé les deux.
Le roseau est créé par Dieu, la pierre est créée par Dieu. Mais le roseau est plus fort que... Plutôt, la pierre est plus forte que le roseau. Il y a un temps où tu es roseau, il y a un temps où tu seras pierre. Mais Dieu qui a fait le roseau fera aussi la pierre. Le Dieu qui t'a envoyé sur la terre et tu es né païen, le même Dieu viendra à toi. Il te sauvera, il te oindra, il t'enverra. Dieu a une manière bizarre de choisir ses envoyés. Bizarre. Si moi j'étais Jésus, je ne pouvais pas confier l'église primitive aux 12 apôtres. Un Pierre qui coupe la tête des gens, mais il va couper la tête des fidèles. Mais il dit, toi tu vas prêcher l'évangile. Mais comment Jésus, tu n'as pas peur? Il n'a pas peur parce qu'il a confiance en sa capacité de changer les hommes. Hey, il a confiance en sa capacité de changer les hommes. Mon frère, je sais que je ne peux pas te changer, mais je connais quelqu'un qui est capable de changer un homme, qui est capable de bouleverser un homme, qui est capable de changer un homme. Il dit, viens, je ferai de toi. Il ne dit pas, tu te feras toi-même. Il n'y a pas de self-made man dans les choses de Dieu. Il n'y a pas l'auto-élévation dans les choses de Dieu. Il n'y a pas l'auto-transformation dans les choses de Dieu. Tu t'abandonnes à Dieu et Dieu te change à son image, à sa ressemblance. Alléluia! Laissez-vous transformer par Dieu. Et lorsque Dieu te transforme, tu ne ressembles pas à ton père, à ta mère, mais tu ressembles à Jésus-Christ de Nazareth. Je ferai de toi. Je ferai de toi. C'est-à-dire, tu seras mon travail. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'œuvre de Dieu, c'est seulement ça. L'œuvre de Dieu, c'est toi. Tous les jours, Dieu te dit, change, change, change. Il te bâtit, ça fait 10 ans, 20 ans. Et après des années, tu deviens un bijou spirituel. Tu deviens un chef-d'œuvre. Et Dieu t'a travaillé dans le secret, là où il n'y avait personne. On te dit, comment tu parles comme ça? Comment tu agis comme ça? Dieu me bâtissait depuis longtemps, mais on ne voyait rien. C'était la fondation. Frère, tu passes dans des moments où tu n'es pas connu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. La plupart des temps, la fondation prend beaucoup de temps. Vous voyez ici, vous voyez tout ça là, en bas là-bas. Il y a une fondation terrible, terrible, mais n'est pas vue. Mais sans elle, il n'y a pas ce qui est vu. Et sans cette formation dans le secret, il n'y a pas l'apparition. C'est pourquoi ne vous précipitez pas à être vu, car Dieu n'a pas fini la fondation. Tu seras une maison qui tombera. Et Pierre, le roseau est appelé par Dieu. Et ce roseau manifeste vraiment qu'il est roseau. Un jour, Jésus-Christ dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Les disciples disent, « Tu es Jean, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. » Mais Pierre dit, « Jésus, 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 tu es le Fils de Dieu. » Jésus dit, comme un professeur, « Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Pierre, tu as 10/10. » Et il était le premier de la classe. Pierre, le premier de la classe. Il a eu 10/10. Mais quelques temps après, Jésus-Christ dit, il faut que je meure. Le premier de la classe vient et dit à Jésus, à Dieu cela ne plaise, tu ne mourras pas. 0/10. Comment tu peux quitter 10/10 à 0/10? Tu avais triché? Non. Simon, il va à gauche, il va à droite. Il est capable de prier en langue et d'insulter aussi en lingala. Bandit, bandit, bandit. Samedi, tu danses en boîte comme pas possible. Mais ici aussi, roseau. Tu peux paraître comme une sainte. Et aussi, tu peux paraître comme une prostituée. Roseau. Tu es à l'aise dans le monde et très à l'aise à l'église. Roseau. Tu peux quitter un jeune pour aller dans une boîte, roseau. Tu peux quitter un culte et puis tu dragues, roseau. Roseau. Il quitte une extrême à l'autre en une seconde, roseau, roseau, roseau. C'est-à-dire que quand il manifeste Pierre, fais très attention, le roseau va se manifester aussi. Mais malgré ça, l'appel de Dieu sur ta vie. Ah, oh, merci Seigneur pour ta patience. Merci Seigneur pour ta patience.
Merci Seigneur pour ta patience. Merci Seigneur pour ta patience. Je me souviens au début de ma foi, tu jeûnes et tu dis à Dieu, je vais jeûner jusque demain 6 heures. Tu fais un jeûne à sec d'un seul jour. Quand il arrive 0 heure, une minute, une voix te dit, mais c'est déjà demain. Et tu regardes le poulet, il devient beau. Tout devient beau. Et maman était bizarre, elle préparait toujours bien quand j'ai jeûné. Et puis la voix te dit, mange, c'est déjà demain. Et puis tu manges. Quelques bouchées, tu es rassasié. Et tu vois l'œil de Dieu qui regarde. Et puis tu te dis, pourquoi j'ai fait ça? Roseau, tu peux quitter le jeûne à la gloutonnerie. Tu peux quitter la joie à la tristesse. Il y en a qui sont comme ça. Et c'est difficile d'épouser un roseau. Le roseau le matin, chérie, la nuit, tu ne m'aimes pas. Le roseau, il a la foi aujourd'hui. Demain, il n'a pas la foi. Le roseau, il est zélé pendant la semaine royale, mais il aura eu un mois démoniaque. Semaine royale et puis mois démoniaque. Roseau, ce qui t'entretient, c'est l'atmosphère, ce sont les écrans. Si on éteint tout, tu t'éteins. Roseau. Le roseau n'a pas de position. Si tu le mets dans un département, demain il va quitter. Tu as dit que tu devais être choriste. Tu ne vas plus à la chorale. Intercesseur, tu ne vas plus à l'intercession. Je ferai. Tu ne fais plus. Les roseaux, ils parlent vite. Après, ils regrettent. Qu'est-ce qui m'avait poussé? Tu apprends l'enveloppe, tu oublies que tu as pris une enveloppe roseau. Les roseaux, ils ont des enveloppes et des enveloppes de vœux qu'on dit venez donner. Oh, il devient spirituel. Mais qu'il rentre à la maison, mais je devais aussi payer mon loyer. Mais j'avais ceci, j'avais ceci. Roseau, que Dieu te donne la stabilité. 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 Et que tu deviennes Pierre. Dis Pierre. Pierre. C'est sur la pierre que Dieu bâtit l'église. C'est sur les choses stables, constantes que Dieu bâtit, pas sur les choses qui flanchent. Et un jour encore, Jésus-Christ dit qu'il doit mourir. Et on vient l'attraper. Pierre prend une épée. Je ne sais pas s'il avait tout le temps, parce qu'elle n'était pas loin. Les roseaux sont comme ça. Tu le vois, il rit comme ça là. Tu joues avec lui, frère. Il a une épée, toujours. Même à l'église, on a peur de toi. On sait que tu as des réponses bizarres. Bizarre. Tu as ton épée, n'est-ce pas? Tu as ton épée. Toute l'église te connaît et s'éloigne de toi. Et tu dis, j'ai la grâce du réger. Roseau. Il coupe l'oreille de celui qui devait le sauver. Car le crucifié ne se crucifie pas lui-même. Il doit être crucifié, donc il doit être attrapé. En soi, en combattant la mort de Jésus, il combattait sa propre vie. Les roseaux combattent leur destinée. Pourquoi ils sont tellement empiriques qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu? Et ils luttent contre leur futur, pensant qu'ils sont en train de lutter pour leur présent. Si j'étais à la compassion, tout le monde serait debout. Donne-moi un amen. Alléluia. Mon frère, quand tu ne comprends pas le plan de Dieu, tais-toi. Quand tu ne comprends pas le temps de Dieu, tais-toi. Quand tu ne comprends pas l'œuvre de Dieu, tais-toi. Tu vas couper l'oreille de celui qui va crucifier, celui qui va ressusciter et que celui qui va te donner le Saint-Esprit. Quand tu ne comprends pas, tais-toi. Alléluia. Mes frères et sœurs, ils coupent l'oreille. Et Jésus, pour lui démontrer qu'on ne l'attrape pas, mais qu'il s'est donné, il récolle l'oreille. Car si je peux récoller l'oreille, je peux disparaître aussi. Hey! En soi, Jésus n'était pas un agneau attrapé. C'était un agneau qui s'est donné. Il avait la capacité de brûler la croix et de tuer tous ceux qui étaient venus. La preuve, quand il s'est présenté, tous sont tombés. Et puis il a dit, attrapez-moi. Pourquoi? Il était en train de gérer la puissance afin de ne pas brûler ceux qui devaient le crucifier. Hey, je peux dire quelque chose? Les roseaux,
Les roseaux, ils suivent un pasteur qui est brisé, mais ils sont orgueilleux. Jésus veut mourir, lui ne veut pas la mort de Jésus. Plus orgueilleux que leur leader, les roseaux. Tu vois, nous, l'ICC, nous, ICC. Mais pasteur Ivan, il est comme ça, mais toi, nous, ICC, roseaux, 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 tu es un roseau. Jésus va mourir, mais toi, tu coupes les oreilles, tu coupes les oreilles. Lui veut mourir. Donne-moi un amen. Que Dieu te délivre de l'esprit de roseau et qu'il fasse de toi une pierre. Qu'il fasse de toi une pierre parce que c'est la pierre qui va conquérir. Si je prends un roseau, je dis, on va faire la guerre avec un roseau. Le roseau va tomber, tomber, tu vas même rigoler. Mais si je prends une pierre, en soi, ce que tu ne sais pas, c'est que le chemin que tu perds en refusant le brisement et la transformation te fait perdre l'efficacité. Et tous les efforts que tu fais en tant que roseau ne font pas mal au diable, il rigole. Quand les roseaux prient, feu, ça t'a dit, augmente encore, tu es comme un prophète de Baal. J'ai lu les démons, il te dit, lis bien parce que ça n'arrive pas. Mais quand tu deviens une pierre, tu dis, au nom de... Que Dieu fasse de toi une pierre. 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 De la même manière que la pierre de David a fait tomber Goliath, que Dieu fasse de toi une pierre qui fait tomber les démons, les systèmes qui changent les choses. Une pierre. Alléluia. Et Jésus lui dit, Pierre, Pierre, avant que le coq ne chante deux fois, toi, tu me régneras trois fois. C'est-à-dire que tu seras plus rapide qu'un coq. Mais en soi, dans la théologie, quand on dit deux fois, c'est dire très tôt au matin. Parce qu'on réglait le temps en fonction du chant du coq. En ce voulait dire avant qu'il ne soit même 6h du matin. Tu m'auras déjà régné. Tu vas me régner très tôt, pas très le soir. Toi, c'est le matin. Et Pierre, les roseaux sont très orgueilleux. Pierre, quand il regardait tous les disciples, disait, regarde tous ces petits ici. Moi, j'aime Jésus. Et ils n'aiment pas Jésus. Qui t'a dit que toi, tu aimes Jésus plus que nous? Il y a un amouromètre. Hein? Amouromètre. Il y en a? Oui, il y a des gens comme ça, ils pensent qu'ils aiment Dieu plus que vous. Qui t'a dit ça? Ton père, ta mère, ton mari, ta femme. Dieu t'a dit du ciel, mon fils, tu les aimes, tu m'aimes plus que tous. Pierre, quand il est dans un département, il pense qu'il est le plus spirituel du département. Même plus spirituel que le président. Quand tu lui parles, il prie pour toi dans le cœur. Oh Dieu, aide-le, aide-le, aide-le. Pierre, quand il vient même à l'église, il pense qu'il est plus spirituel que le pasteur. Mais non, si c'était moi qui allais prêcher là, j'allais déjà entrer dans les profondeurs. Pierre, il est comme ça. Il dit, tout le monde peut t'abandonner sauf moi. Elle dit, ah bon? Tout le monde. Alors Jésus savait que tous allaient l'abandonner. Mais comme Simon était plus orgueilleux, on a zoomé maintenant Simon. Elle dit, ok, tout le film, tu seras maintenant l'acteur. Ah oui, parce que quand les autres disciples étaient en débat, on n'en parle plus trop, hein. Mais c'est lui qui avait dit que lui, il l'aime plus. Alors, je vais te prouver. Frère, quand tu te penses supérieur aux autres, Dieu va se concentrer sur toi. Il va te briser. Il va te briser. Et tu vas pleurer. Il va te briser. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'élever quand tu es charnel, parce que tu vas voler sa gloire. Dieu ne peut pas te donner la Pentecôte lorsque tu penses que tu aimes les autres, tu vas les brûler. Mais Dieu donne la Pentecôte à celui qui dit « je ne suis rien ». C'est alors lorsqu'il gagne 3000 personnes. Il ne dit pas que je suis terrible, je sais prêcher, mais Dieu m'a fait grâce. Toi qui es Simon, Dieu va te briser. Je t'annonce ton brisement. Je ne te maudis pas, mais que tu le veuilles ou pas, Dieu te brisera. Orgueilleux spirituel, Dieu te brisera. Brisera, il te cassera, il te cassera. Il y a un temps, je pensais que je savais prêcher. Et tu vois, quand tu prêches dans des petits groupes, les gens te donnent des noms là. Ah, faites attention aux noms qu'on vous donne. Tu n'as pas encore rencontré des prédicateurs. Oh, notre T.D. Jakes, notre ceci, notre cela. Alors un jour, je vais prêcher quelque part. Et là, je ne me suis pas bien préparé. J'étais là très à l'aise. J'étais déjà un jeune, mon ministère commençait à aller bien. Je suis venu là trop cool.
Je prêche. Après, quand j'ai fini, un jeune garçon s'est levé. Un pantalon bizarre, des chaussures bizarres, une Bible bizarre, la peau bizarre, tout est bizarre. Quand il a commencé à prêcher, j'ai dit, c'était trop. Une connaissance, une onction, une grâce. Maintenant, celui qui m'avait invité me regardait, il rigolait. Il avait fait ça pour m'humilier. Donc Dieu l'avait envoyé me briser. Et puis me regarder, et puis Dieu m'a dit, tu as compris? J'ai dit, j'ai compris. Je ne sais pas prêcher. Depuis ce jour-là, je m'en fous d'être un grand prédicateur. Je préfère être fidèle à ce que Dieu me dit. Je n'ai pas besoin que tu me donnes 10 sur 10 ou 9 sur 10. Parce que c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui me jugera. Je ne prêche pas contre quelqu'un, mais je prêche pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué, qu'il m'ait brisé. Dieu a moins des gens plus que toi. Il a béni des gens plus que toi. Tu dois le reconnaître. Tu dois l'accepter. Tant que tu ne l'acceptes pas, Dieu te brisera. Simon pensait aimer Jésus plus que Jean. Alors qu'il n'y avait même pas de compétition ni de concours, lui s'est déclaré premier de la classe. Comme toi, tu te déclares premier de la classe. Est-ce qu'on a déclaré qu'il y a la course? Et Dieu envoie qui pour humilier Simon? Une femme. Devant une femme, il dit... Je ne le connais pas. Une femme le fait trembler, le force Simon qui coupe les oreilles des gens. Je ne le connais pas. Et puis le coq chante. Et il se souvient des paroles de Jésus. Avant que le coq ne chante deux fois, toi tu m'auras régné trois fois. Le coq sera plus spirituel que toi. Et là, il a eu. Et c'est quand l'histoire commence. Tout ce que tu fais avant ton brisement, ce n'est pas encore l'histoire. Et vous faites que fuir votre brisement, je serai conquérant. Conquérant en tant que Pierre ou Simon. Dieu connaît qui nous sommes en chacun de nous. Et le Simon qui parle, qui pense être le plus fort, le plus capable. Chaque fois qu'il voyait un coq, il pleurait. Oui. Donc si tu voulais déranger Simon, prends seulement une poule. L'homme qui pensait être fort était troublé par un coq. Si on veut faire une blague, amenez une. C'est quand Dieu te prend, le grand Moïse, tu te retrouves, tu es le berger. Quand tu vis ça, c'est pas que Dieu t'abandonne, c'est le signe qu'il t'aime tellement. C'est le signe qu'il t'aime tellement, mais il sent que tu as une grande destinée, mais tu vas la rater par orgueil. Et là, Simon n'est plus fier. Il n'est plus, comme vous dites ici, une grande gueule. Il est calme. Quand on parle, il ne parle plus. Parce que s'il ose parler, Judas, pas Judas, il était mort. Thomas va lui dire, mais toi d'ailleurs. Et maintenant, l'histoire commence. Jésus qui l'a rejeté meurt. Et quand il ressuscite... Au lieu de ressusciter en colère, il dit à une femme encore, car il avait régné devant une femme et il envoie une femme pour le guérir. C'est devant une femme qu'il a régné, c'est une femme qu'il a ramené. Si vous ne savez pas, la mère spirituelle de Simon, c'est Marie de Magdala. Quand Simon abandonnait Dieu, qui l'a ramené? C'est une femme. Femme, vous êtes merveilleuse. Quand les hommes ont fui, vous étiez au tombeau. Quand les hommes n'étaient pas là, vous étiez au tombeau. Vous avez reçu en première le message de la résurrection. Femme!
âme, prêche la résurrection, annonce la résurrection, prêche la résurrection, annonce la résurrection. Si Jésus t'a permis de parler de sa résurrection, qui suis-je moi pour t'empêcher d'annoncer la résurrection? Si Jésus a fait de Marie de Magdala, alléluia, sa secrétaire particulière, qui suis-je pour t'empêcher de servir Dieu? Qui suis-je? Femme, prêche la résurrection. Alléluia. Et Jésus, pour révéler qu'il pensait à Pierre, même quand il était mort, il dit, va dire à mes frères et à Pierre. Il n'a pas dit à Matthieu, il n'a pas dit à Jean, parce que Pierre était le plus culpabilisé. Oh, Dieu est un Dieu d'amour et de bonté. Des fois, nous sommes étonnés dans l'église qu'une personne tout le temps est touchée par l'onction. Tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Il y a des gens, chaque fois qu'un prophète vient dans une église, on lui prophétise toujours, tu ne connais pas son histoire avec Dieu. C'est le nom de Pierre qui est sorti. Les autres étaient dans le groupe frère, mais Simon était mis à côté parce qu'il s'était mis à côté. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Oh, je sens de dire quelque chose à quelqu'un. Tu as péché. Tu as fait quelque chose de très mal alors que tu avais la connaissance de la parole de Dieu. Et tu es tombé dans la culpabilité et la condamnation. Tu te dis que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a rejeté, que Dieu ne t'utilisera plus jamais. Ça, c'est la voix du diable, ce n'est pas la voix de Dieu. Le plan de Dieu continue, car la Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Vaut mieux un lion mort, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Arrête d'écouter le diable qui te pousse à rejeter Dieu qui t'aime et qui te cherche. Arrête de dire tout le temps, j'avais fait. Jésus est déjà passé à autre chose. Alors que toi tu penses à la vie avant la croix, Jésus-Christ parle déjà de la Pentecôte. Tourne la page. Dis à ton voisin, tourne la page. Si Dieu a tourné la page, tourne la page. Oh, si Dieu a tourné la page, tourne la page. Arrête de dire, j'étais tombé. Dieu sait que tu étais tombé, mais tu t'es repenti, tu t'es relevé. Tourne la page. Et même si les hommes ne tournent pas la page, c'est leur problème. Les hommes sont rancuniers, mais Dieu a déjà effacé. Il a déjà oublié. Même si ton péché est connu dans le monde entier, si tu t'es repenti sincèrement, Dieu a déjà tourné la page. Même si tu l'as renié, il a tourné la page. Il veut faire de toi maintenant un prédicateur, même si tu étais un renieur. Du régneur sortira un prédicateur. Oh, donne-moi la main que je parle. Église, parlons entre nous un peu. Nous ne sommes plus prêts à ramasser les gens. Quelqu'un passe ici, on dit il a fait ceci, il s'assied une année au banc. Après une année, on continue à lui raconter ses anciens péchés. Mais vous m'avez mis sous discipline, j'ai accepté la discipline. Mais vous continuez à me mettre sous discipline après la discipline. Nous tuons les gens. Si tu étais Jésus, Pierre n'allait pas tenir le micro à la convention de la Pentecôte. Va dire à mes frères et à Pierre aussi. Pourquoi? Les autres ne sont pas meilleurs que lui. Parce que s'ils étaient dans la même situation, ils allaient faire pareil. Il y a certaines personnes, tu les condamnes. Si tu étais tenté de la même manière, tu allais tomber 10 fois. Oui, il y a des tentations que tu n'as jamais eues, c'est pourquoi tu as des victoires que tu n'as pas encore eues. Tu es mis dans la même situation que l'autre, tu vas le faire 10 fois. On est là, il a fait, il a reconnu, il a abandonné, il a changé. On tourne la page, si tu as tourné la page de Pierre, on tourne la page. Mais nous on arrache à Pierre le micro, le jour de la Pentecôte, pourquoi il avait régné alors que nous on avait fui. Fuir et régner, c'est toujours régner, non? L'autre, on l'attrape avec une femme. Toi, tu te masturbes. C'est la même chose, non? Toi, tu couches avec ta main, lui couche avec toute une personne. C'est pareil, c'est le corps. Mais alors, non? Mais alors, le frère là avait commis l'impudicité et toi, tu t'es masturbé 4 fois dans la douche. Dis l'amour. L'église est la seule armée qui tue ses guerriers.
Tu es blessé, on t'enterre. Alors que tu cries, je vis, amenez-moi à l'hôpital. Non, on n'a pas le temps, on t'enterre. Arrêtons d'enterrer nos frères. 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 Tant qu'un homme veut servir Dieu, tant qu'il veut s'en sortir, aidons-le. Il se peut que c'est sa prédication qui va engendrer 3000 personnes. Pas la tienne, pas la tienne. Oh, Chandelébrosaya, c'est le régneur qui a amené 3000 personnes à se convertir. Le régneur. Jésus voyait derrière ce régneur 3000 personnes. C'est pourquoi des fois, on ne comprend pas comment Dieu s'attache aux gens. Il voit 3000. Et alors, il dit, je le précède. Et Pierre va dans la chambre haute. Dans la chambre haute, c'est un lieu de communion et de réparation. Lorsque la pierre doit sortir du roseau, le roseau doit être exposé au feu. Le feu du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, quoi que tu fasses, tu peux monter, descendre, on t'impose les pieds, le ventre, on marche sur toi. Il y a des choses qui ne changeront que dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui ne changeront dans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, tu ne peux pas changer. Et frères et sœurs, lorsqu'on met Pierre maintenant dans le four de la chambre haute, le roseau commence à brûler. 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 Et il commence à changer. Et il commence à changer. Et ça devient une pierre. Et lorsque le feu du Saint-Esprit descend sur Pierre, lui qui avait peur des femmes se tient devant des hommes. Il présente l'évangile. Il parle du Saint-Esprit. Et 3000 personnes se convertissent. La promesse qui était faite, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, se réalise après des années. Tu as besoin du Saint-Esprit. Esprit, tu as besoin de prière, tu as besoin d'une chambre haute, tu as besoin d'être transformé. C'est alors que tu entreras dans ta destinée. Tu as besoin de ta chambre haute. Tu fuis trop ta chambre haute. Tu fuis le lieu de la rencontre qui change le roseau en pierre. Certains, ta chambre haute, c'est une formation au pied d'un homme de Dieu. D'autres, c'est entrer dans un jeûne. D'autres, c'est passer des années dans la soif en train de chercher Dieu. Sans cela, jamais tu ne seras un conquérant. Regardez, si on prend une pâte dans laquelle il y a des bricaillons et qu'on la met au four, même si le feu va transformer la pâte en pain, les gens qui vont manger auront mal aux dents. Et lorsque Dieu veut te transformer, et tu fuis, même quand il va te donner au monde, tu feras mal aux dents de l'église. Laissez Dieu vous briser. Parce que si tu deviens un conquérant non brisé, tu vas voler la gloire de Dieu. Vous savez, si le pasteur Ivan n'était pas brisé, il pouvait prendre la gloire de Dieu. Et il change le nom. Ce n'est pas cité royale, ça devient cité Castanou. Mais oui, je connais des gens qui ont fait ça. Il dit, on a parlé le temple de Salomon, maintenant c'est le temple d'Yvonne. Mais oui, il y en a qui ont fait ça, non? Ah, ils ont fait ça. Comment Dieu sera sûr de toi? Lorsque Dieu veut te tailler, tu fuis. Tu es comme un crucifié qui esquive les croix, qui esquive tout le temps. Dieu veut te tailler, tu fuis. Dieu t'envoie dans un département, le président est dur, tu quittes. Tu vas dans une église, on te suspend, tu quittes. Toi, tu quittes toutes les églises. Tu cherches un pasteur cool. Mais oui, fidèle sans pasteur. Vous êtes venu ici, vous n'avez pas de pasteur. Qui est ton pasteur? Tu pries dans quelle église? Dis-moi, dimanche passé, tu as prié où? Je suis en live. On te suspend en live aussi. Hein? On te corrige aussi en live. Des rebelles cachés derrière des écrans. Où est la caméra? Des rebelles cachés derrière des caméras. Écoutez, on prie en ligne lorsqu'il n'y a pas d'église à côté.
Il y a une bonne église à côté, un pasteur à côté. Oh, je suis compassion en ligne et en ligne. Mais il y a un pasteur à côté qui va te former, qui va te dire porte les paniers. Tu vas chasser les démons. Toi, tu n'aimes pas ça parce que tu es un rebelle qui ne veut pas des pasteurs, mais tu aimes que des prédications et mettre des lol, des likes et des commentaires. Donne-moi la main. Nous sommes fatigués des fidèles qui n'ont pas de vie d'église et qui n'ont aucune culture de l'autorité. Aucune culture de l'autorité. Qui est ton pasteur? Qui est ton église? Donne-moi la main, hein? Mon petit enfant qui vient de naître m'a enseigné. Le petit né, il trouve oracle, il trouve choukrani, il trouve chiffre, respect. Il dit, oracle, portez-moi, oracle, mimi. Il donne des noms à tout le monde. Tu sens que le petit est un diplomate. Il aimerait être accepté. Mais toi, tu es né de nouveau. Je prie nulle part. Mais j'envoie mon offrande en ligne. L'humanité est morte, hein? Et c'est vous qui créez des problèmes à l'église. Parce que frères et sœurs, si tu fuis l'odeur de la bouche de Jésus dans la cuisine, tu es Marthe. Mais si tu viens à ses pieds, tu es Marie. Beaucoup de gens, vous êtes en ligne. Vous êtes des Marthes. Vous fuyez la communion. Oh, mais je suis extraordinaire. Non, ici, c'est plus extraordinaire qu'en ligne. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? On peut vous punir maintenant, non? On montre quelle est la toiture. Vous ratez. Mais lui, il me voit. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as vu ça? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as vu? Et vous n'avez pas vu. Quand tu as la force et le temps, va prier dans une église. Va communier avec des frères. Soumets-toi à une autorité. Soumets-toi. Que Dieu te brise et te taille. Être au pied d'un homme de Dieu, c'est plus qu'aller à l'école biblique. Tu peux te distinguer à l'école publique, mais tu es un rebelle. Tu es seulement intelligent. Tu as 10 sur 10 sur le coup, autorité spirituelle, mais dans la vraie vie, déloyal. Et vous trouvez des défauts à toutes les églises pour ne prier dans aucune église, alors que vous-même, vous êtes des porc-épics remplis de défauts. Souvent, les gens remplis de défauts trouvent aux autres les défauts. Les gens remplis d'amour trouvent aux autres des qualités. L'amour trouve les qualités. La méchanceté trouve des défauts. Là, j'ai pas aimé. Mais qu'est-ce que tu as aimé? J'ai pas aimé. Mais qu'est-ce que tu as aimé? La parole était bonne. La louange était bonne. L'adoration est bonne. Mais non, toi, tu ne vois jamais ce qui est bon. Pourquoi? Tu cherches toujours à quitter l'église. Et quand le feu tombe, qui sort en premier pour prêcher? Simon, il est devenu Pierre. On dit, attention Simon, il y a des hommes dehors, pire que les femmes. Je m'en fous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'annonce ton changement, j'annonce ton embrasement, j'annonce ta transformation, j'annonce ta victoire, j'annonce que Dieu te rendra capable. Et là où hier tu as échoué, tu réussiras. Ce qui t'effrayait ne va plus t'effrayer. Ce qui te faisait reculer ne te fera plus reculer. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Oh, je vais descendre un peu là-bas. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Le Pierre qui hier fuyait devant une femme, prêche 3000 conversions. Simon, il va au temple, il voit un paralytique. Simon dit, je n'ai ni or, et Simon, ni argent, mais ce que j'ai. Dieu va changer ton langage. Dieu va changer ton langage. Dieu va changer ton langage. Donne-moi la main.
Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Simon, son ombre commence à guérir les malades. Simon, je comprends pourquoi Jésus ne le lâchait pas. Je comprends pourquoi Jésus ne te lâche pas. Il a des plans, il a des projets. Je comprends. Son ombre commence à guérir les malades. Hé, Simon! Simon, ta bite à Dorcas meurt. On l'appelle. Il arrive. Lui qui a fui devant une femme, il ne fuit pas devant la mort. Pire, il chasse tout le monde, il reste avec la mort face à face. Ah! Simon! Mante la braya! Dieu a un futur pour toi. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et Simon, ressuscite ta bite à Dorcas. Simon, Philippe va en Samarie. Il déclenche un réveil. Mais personne ne reçoit le Saint-Esprit. Qui arrive là-bas en renfort? Simon, il arrive. Il te touche, tu parles en langue. Il te touche, tu prophétises. Il y a des choses dans tes mains. 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 Simon. Oh, chalabraba. Quand tu es Simon, ne te suicide pas. Tu sais, pasteur, dans le ministère, tu fais même 30 ans. Ça n'explose pas. Tu penses que Dieu t'a abandonné? Non. Il est en train de bâtir le témoignage. Il est en train de bâtir le témoignage. Et s'il avait coupé ses mains, comment il allait guérir les malades? Simon, Simon, le pêcheur de poissons, a écrit deux épîtres. Première épître de Pierre, deuxième épître de Pierre. 8 chapitres. 5 et 3, Simon est devenu intelligent. Il parle maintenant un bon français. Il speak English. God gives you fire now. Simon, 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 Simon écrit des livres. Simon écrit des livres. Simon, Simon, aïe aïe aïe. Et un jour, Simon doit mourir. Lui qui avait dit « Je ne le connais pas parce qu'il avait peur de la mort ». L'histoire de l'Église nous dit, quand le jour est arrivé, il a dit « Ne me mettez pas sur une croix comme Jésus. Je ne peux pas mourir comme lui, c'est indigne. Mettez ma tête en bas, mes pieds en haut. » Simon, Simon n'a pas peur de la mort. Il complique même la mort. Parce que quand tu meurs sur une croix déjà normalement, tu suffoques. Mais quand la tête est en bas, c'est pire. Mais il n'a même pas tenu compte de cela. Simon. Et ce qui me choque dans l'histoire de Simon, lorsque vous lisez la parole d'Apocalypse, on parle de 12 fondations de la nouvelle Jérusalem céleste. Et on dit ce sont les 12 apôtres de l'agneau. Alors qui est celui qui a ouvert la porte pour le commencement de l'Église? C'était Simon. C'est-à-dire quand tu vas dans la nouvelle Jérusalem céleste, la première fondation c'est qui? Simon. C'est pourquoi ne juge jamais l'histoire d'un homme. Tu ne connais pas l'amour que Dieu lui porte. Ne résume pas la vie d'un homme. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de bâtir. Ne juge pas un homme sur ses défauts présents. Tu ne connais pas les qualités futures qu'il va manifester. Alléluia. Je me souviens quand il fallait que j'épouse Blanche. Vous voyez déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais
Maintenant, quand elle était sans enfant, vous imaginez comment elle était. Alors, quand Dieu me dit c'était, j'ai dit, non. Une fille comme ça peut être une maman pasteur. Oh Dieu, tu veux tuer le ministère. 5 fois, j'ai rompu avec Blanche. Ouais, on a rompu 5 fois avant de nous marier, Bishop. Parce que je disais, elle ne peut pas y arriver. Est-ce qu'elle peut être comme moi? Est-ce qu'elle peut? Alors un jour, on a rompu. Et je vois une vision. Je suis dans une guerre. Je suis en train de tirer. Mais il y avait trop de gens. J'étais débordé. Et puis j'entends quelqu'un derrière moi en train de tirer. Je regarde. C'était Blanche, habillée comme un militaire, avec une arme. Je dis, oh, toi aussi tu as des armes. Et comme elle dit, mais oui. Simon, ne néglige personne, ne néglige personne. Lorsque Dieu n'a pas fini d'écrire, il ne faut pas mettre le point, il ne faut pas mettre le point, il ne faut pas mettre le point. Je me souviens des vidéos du pasteur Ivan que je voyais longtemps là-bas avec le tapis rouge, dans la salle là comme un bus. 4 points de l'excellence, hein. Regardez maintenant, Simon. Simon, ne désespère pas, attache-toi à Dieu et Dieu va t'utiliser et Dieu va t'étonner et Dieu va te oindre. Dieu se servira de toi au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Dieu fera des grandes choses. Simon. Pour finir, est-ce qu'un jour Simon pouvait s'enorgueillir de ça? Son histoire l'a aidé. Comment je peux m'enfler quand je pense au passé, de là où Dieu nous a pris, il nous a lavé, ramassé. Je ne peux pas m'enfler parce que je sais que je suis le produit de la grâce de Dieu. Le produit de la grâce. Le Seigneur nous fait passer par des chemins bizarres afin de bâtir une belle histoire. Car les belles histoires, des fois, sont bizarres, mais ce sont elles qui nous marquent pour toujours. Et Dieu écrit des belles phrases avec des lettres courbées. Mais des très belles phrases. Chacun de vous a une histoire avec Dieu. Mais rassurez-vous, aucun de nous n'est parfait. Et aucun de nous ne mérite d'être là où il est. Tout est grâce et privilège. Oh, bénissons le Seigneur. Il reste encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui. Je sens sa présence, lève tes mains, nous sommes debout. Il restaure encore, encore. Restaure encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Oh. Si tu crois, ton miracle. J'aimerais prier pour ceux qui ont besoin
compris pour eux, qui ont besoin que ce message reste gravé dans leurs esprits. Et tu sens que tu traverses une période où tu es Simon et que tu dois devenir Pierre, que ta destinée est retardée par ton caractère, par ton ignorance. Approche-toi, nous allons prier. Et si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, tu es venu, c'est vrai, à la semaine royale, mais Christ n'est pas encore établi dans ton cœur. Approche. Et toi qui nous suis à la télévision, donne ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Agenouille-toi dans ta chambre, dans ton salon. Implore la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu sur toi. Si tu crois, tu verras. Oh, tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Oh, tu verras. Je verrai, je verrai, yes. Si je crois, je verrai. Mon miracle est là. Si je crois, je verrai. Je verrai, je verrai, je verrai. Je verrai. Saint-Esprit, souffle en ce lieu. 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 Je te prie, souffle. Au nom de Jésus, sois touché par le Saint-Esprit. Sois touché, sois touché, sois touché. Power, power, power. Sois touché, le feu sur toi, le feu sur toi, le feu sur toi. Power. Yes, 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 seulement le piano. Le Saint-Esprit est ici, commence en parlant d'autres langues. Que le feu de Dieu vienne sur toi. Fire, 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 fire. Comme au jour de la Pentecôte. Sois touché par le feu. Embrasé, embrasé. Power, 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 power. Le feu sur toi. Le feu, le feu, le feu. Fire. Sois libre de toute puissance démoniaque. Sois libre de tout esprit impur. Libre, libre, libre. Quittez, 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 quittez. Esprit impur, quittez, 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 quittez les corps. Allez-vous-en, sortez. Quittez, 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 quittez. Maintenant, maintenant, sois libre. Maintenant, sois libre. Maintenant, sois libre. Maintenant, sois libre. Au nom de Jésus, sois libre, sois libre, sois libre. Shalabai.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette maladie qui t'empêche de servir Dieu te quitte maintenant. Reçois la guérison, 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 reçois la guérison. Au nom de Jésus. Que Dieu change ton caractère. Qu'il te brise, qu'il te taille. Qu'il te brise, qu'il te taille. Qu'il te brise, qu'il te façonne. Qu'il te brise, qu'il te taille. 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 Qu'il te brise. Saint-Esprit touche. 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 Sois baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autre langue. Aujourd'hui, reçois le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autre langue. Reçois le baptême, reçois le baptême, reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'onction. L'onction de ton appel, l'onction de ta destinée, l'onction de ton appel, l'onction, l'onction, l'onction. Va, 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 reçois l'onction et va, reçois l'onction et va, reçois l'onction et va. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shalaba, babayan de la baya, baya bashaya. Alléluia. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit change les vies. Saint-Esprit touche. Même ceux qui nous suivent sur internet, touche-les, 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 touche-les. Oh merci Jésus. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis un Simon. Je reconnais que je suis un Simon. Embrase-moi et transforme-moi pour conquérir. Tu me connais mieux que moi-même. Mon passé, mon présent et mon futur. Je suis fatigué d'être un roseau. Je veux devenir une pierre sur laquelle tu vas bâtir une conquête. Qu'aujourd'hui soit un jour nouveau. 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 Kerele Basaya. Ikarinda Kosti Preya Mandele Braya. Intelebrosun telebekaya mande, intelebrosun telebeshaya, etelebrosun telebeya, ikiresu ya manda la broya, inda la broya saya manaberia, iskiperia noya, supra yemaete, akatelebru naye si preindo lobo suya shaya, ainsi parle le Seigneur. Je te donne une seconde occasion. Je te donne une seconde occasion, dit le Seigneur. Je te donne une seconde occasion. N'écoute pas la voix de ton ennemi qui te condamne. N'écoute pas la voix de l'ennemi qui veut te garder dans la boue. N'écoute pas la voix de l'ennemi qui veut te garder dans la culpabilité. Écoute la voix du sang. Écoute la voix du sang de l'agneau. Écoute la voix du sang de l'agneau. Qui crie miséricorde, qui crie pardon, qui crie Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne sois pas juste à tes propres yeux. Ne te présente pas devant lui avec ta propre justice qui est un habit souillé. Judas s'est pendu parce qu'il avait sa propre justice. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre parce qu'il avait trahi. Mais Pierre a continué à vivre malgré qu'il avait trahi. Et une destinée extraordinaire est sortie de cet homme. Ne fais pas de ton échec ton cimetière. Ne fais pas de ta chute ton cimetière. Ne fais pas de ton reniement ton cimetière. Ne fais pas de tes défauts ton cimetière. Il y a de l'espoir au-delà de la tombe. Tu es passé par des moments difficiles. Tu es passé par des jours sombres.
Et tu as cru que tu étais mis de côté. Le plan de Dieu continue. Le plan de Dieu continue. Le plan de Dieu continue. Alléluia. Si tu crois, tu le verras. Dis Jésus, deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dirige-moi jusqu'à la fin de mes jours. Je t'aime et je veux t'aimer de tout mon cœur. Lave-moi, purifie-moi, remplis-moi de ton esprit et de ta présence. Ma sœur là, viens, viens ma sœur, viens, donne-moi ta main. Approche. Le Seigneur t'aime et il a des plans, un plan merveilleux pour toi. Tu dois le croire, tu dois le savoir. Et je pose cet acte pour que tu te souviennes de ce jour et que tu puisses savoir que dans une foule, Dieu peut te voir. Tu n'es pas un numéro pour Dieu. Tu es une personne merveilleuse, extraordinaire. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame le Seigneur.